Bonsoir à tous, on est à nouveau un jeudi soir, le 30 juillet. Je vais commencer du coup cette semaine de coloriage, toujours dans les grands classiques, le tome 1. Cette semaine, la thématique, c'est un coloriage choisi par quelqu'un d'autre. C'est ma maman qui a choisi, donc c'est celui de la page 55. Pourquoi elle? Parce que tout simplement, elle fait le challenge avec moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir qui c'est. Moi, je le vois et j'en suis très contente. J'ai hâte de le faire. Je vais encore une fois le faire au feutre. Il est encore une fois super tard, donc vous ne voyez pas très bien. Mais c'est pas grave, on s'y attelle. Alors voilà pour le petit update. Il y a des ratés, il y a des zones où c'était très compliqué de m'en sortir. Clairement, là, il manquait des numéros, donc c'était un peu... voilà. J'ai pas encore fini le rose, mais je voulais juste faire un petit update. Et ce qui est drôle, c'est que le chéri, il est à côté, il découvre Kingdom Hearts. Et évidemment, on commence à l'Olympe. Vous noterez le rapport. Voilà, voilà. Revoilà pour un petit update. Alors, donc j'ai fini les couleurs, il me reste que le noir. Si vous vous demandez pourquoi il y a des petits traits noirs, c'est tout simplement parce que c'est la zone où je me suis perdue, donc j'avais besoin de délimiter le noir. Là, il me manque un petit pic blanc, bah, je l'ai loupé, hein, voilà. Qui dit coloriage mystère avec moi dit erreur, mais ça c'est pas mystère. Et par contre, est-ce qu'on peut parler des zones comme ce petit rond, où il n'y a aucune couleur, mais qui doivent être coloriées? J'en ai tellement marre de ces zones-là. Je pense que vous me comprenez si vous avez déjà colorié dans le tome 1. Après, j'espère vraiment que pour les autres tomes, Hachette a fait plus d'efforts. Parce que pour le coup, c'est vraiment frustrant. Je viens de me rendre compte que là, j'ai colorié quelque chose que je pense que j'aurais pas dû. Parce qu'ils sont tous arrondis au bout. C'est pas grave, c'est mon interprétation, on va dire ça comme ça. Donc je vais faire le noir et puis on se retrouve juste après pour clôturer. Et voilà le résultat, on est officiellement vendredi d'ailleurs. Ah mince, je viens de voir que là il me reste juste un trait de noir à faire encore. Mais sinon voilà ce que ça donne. Oui, alors j'ai bien aimé le faire, mais... les zones blanches qui sont pas censées être blanches, j'en peux plus. Voilà, clairement. Sinon, j'aime bien le rendu. Encore une fois, les traits de feutre ne me dérangent pas. Je vous mettrai un insert avec une photo avec un flash, hein, ce sera quand même mieux. Mais je trouve qu'il rend pas trop mal, donc je suis assez contente du choix de ma maman qui ne savait pas du tout quel dessin j'allais faire. Elle a juste choisi le numéro de la page. Voilà pour cette semaine, je ne sais pas combien du challenge. Encore une fois, c'est réussi. J'espère du coup pouvoir continuer à m'y tenir comme ça. Je vous laisse et vous dis à la semaine prochaine. Bye !